Salut à tous et bienvenue de retour dans Phasmophobia. Je me suis pas trompé cette fois. Je crois qu'on est bon. Et cette fois-ci, on va pouvoir rentrer directement dans le truc. Pas de blabla au début, on vous emmerde pas. On va continuer et on va partir directement dans l'horreur en espérant que cette fois, Thrasia ne se fasse pas enlever par des fantômes en dehors du jeu. Du coup, on peut essayer de refaire le farmhouse maudit. Yep, on peut essayer d'y aller. On va essayer de sacrifier aujourd'hui Thrasia aux fantômes que nous allons rencontrer. Pardon ? Non mais de toute façon t'as déjà essayé hier, mais hier ils ont pas voulu de moi. Ils m'ont éjecté. Non. On va réussir, on va y arriver. Bon, je reprends le thermo, hein. Moi je spécialise du thermomètre, c'est moi. Ouais, moi je reprends le MF. Je vais prendre aussi l'appareil photo, parce que si jamais il y a un truc à prendre en photo, je vais y aller direct. Ouais, d'ailleurs, il y a prenez une photo du fantôme, mais ça, c'est pas le premier truc. Non, ça va être à la fin, et ça va être... Toi, tu devras l'appeler, et je devrais prendre une photo. C'est ça. Après, il y a l'EMF avec le crucifix. Enfin, il y a l'EMF et... Ouais, mais crucifix... Ça, c'est avec le crucifix, mais on l'a pas. Ouais, mais on l'a pas, le crucifix. Donc, c'est mort. L'EMF, du coup... J'aime pas cet endroit parce que ça me rappelle le premier qu'on a fait et il m'a tué. Ouais. Là, c'est William Anderson, donc le frère de la dame qu'on a eu l'autre hier, qui s'appelait Anderson aussi. Ouais. Je dis le frère, mais... il semble répondre qu'au... Il répond qu'aux personnes seules. Ah, ça, c'est un problème. Parce que pour prendre la photo, du coup, il faudrait éventuellement... Est-ce que... Il comptabilise... Ah, mais non, j'avais vu que je pouvais pas prendre la photo dans l'intérieur du camion. Parce que j'allais dire... Est-ce qu'il aurait fallu... Bah dans ce cas-là, il faudrait qu'il y en ait un qui soit tous... Ah, tu t'es fait éjecter. Déjà. On a les mêmes choses, sauf que à la place de l'EMF, c'est le thermomètre. Donc comme je m'en occupe de toute façon... Ah, ok. On n'a pas de photo à prendre à part du fantôme. Mm-mm. Donc ça pourrait être éventuellement toi qui t'en occupe. Ouais. Attends, il répond... Ouais, c'est Karen Garcia, elle ne répond qu'aux personnes seules. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit tout seul. Ok. On va déjà essayer de trouver des preuves. Donc, la première chose, c'est... Moi, je dois chercher avec le thermomètre. Ouais. Et savoir exactement à qui on a affaire. Donc, il faudrait prendre des instruments divers. Bah, j'ai pris l'EMF, moi, comme d'habitude. Parce que je suis spécialiste de l'EMF. Et j'ai pris la loupiote pour les empreintes. Ok. Je vais prendre, dans ce cas-là, moi, le truc pour la voix, le spirit box. Je l'aime pas, ça me fait le frisson. Allons voir Karen. Allons la voir. Allons la titiller. Ne pas appeler par son prénom, hein, au départ. Tant qu'on n'a pas besoin de l'énerver. C'est ça, pour le moment, on n'a pas besoin de l'énerver. Allons-y tranquillement. Visite la maison. On va visiter la maison. Allumons les lumières. Allons faire le profil de la maison pour la vente après... C'est ça. Après, je sais pas si on a besoin vraiment d'allumer les lumières. Je sais pas si c'est pas un facteur genre de réduction. J'ai entendu un truc. Ouais, il y a une radio. J'ai l'impression qu'il y a une radio en marche. C'est celle-là, attends peut-être. Non. Je crois que c'est ça. C'est dans la pièce ici. Non ? J'ai l'impression que c'est dans cette pièce-là. Par ici. J'entends, là je suis plus proche. T'es avec moi? Je suis derrière toi. Ok. Attends, je teste. Ah, c'est pour ça marche le bouton. J'ai reconfiguré mon bouton aussi pour pouvoir parler au Toki. Ah oui, ok. T'as été voir la porte ici? Ah, elle est fermée. Bah non, mais j'allais à la radio. Ah oui. Bah, je te fais confiance, tu me dis il y a une radio. Ah, mais elle est peut-être au-dessus. C'est au-dessus, je pense. C'est au-dessus la radio. À mon avis, il faut qu'on éteigne des lumières pour pas qu'on fasse sauter le disjoncteur. Ok, vas-y, bah, monte. Je pense, hein, à mon avis, c'est ça le délire. La radio est par là? Non, plus loin. Elle est où la radio? Je reste derrière toi hein, pour le moment. Je pense que la radio est là, non? Oula! Non. La radio s'agite. C'est au-dessus. Non, mais ça s'agit depuis tout à l'heure. Je pense qu'il faut aller à la radio. Ouais, c'est par là la radio. Oula.
Négatif. Ouais, il y a une présence ici. Température négative? Ouais, température négative. Je passe à la au spirit. J'ai rien du tout sur le MF. Ouh, j'ai vu une ombre. Il y a une ombre, il y a une ombre. Y a-t-il quelqu'un ici? Une... comme une vapeur. Non, mais c'est nous. C'est la brume, c'est la... parce qu'il fait froid. Je déteste les greniers en plus. C'est comme les caves, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors, je déteste moins les greniers que les caves. Bon, Karen ça... Garcia. T'es sûr de vouloir l'énerver? Es-tu là? C'est juste pour voir en fait si répond au spirit. Non, rien au spirit. Non. Je pense qu'il y a rien au spirit. Je redescends, on va aller chercher le reste des équipements. Ouais. Le MF réagit pas. Hein. Peut-être parce qu'on l'a pas assez excité encore. Mais j'aimerais poser au moins l'appareil, tu sais, pour voir la vision nocturne. Pour que quand je te laisse toute seule en haut. Pour que quand je te laisse toute seule en haut, en fait, on puisse, je puisse voir s'il y a des orbes fantomatiques. Et je vais laisser la caméra du coup au grenier avec le spirit box. Et okay. Et t'essaieras peut-être de titiller. Ça marche. Et là, t'as vu, il y a eu pas mal d'activités. Hein. Ouais. Parce qu'il a, y a eu le disjoncteur qu'on sautait peut-être. Ouais, peut-être. Je vais laisser le MF puisque le MF la détecte rien. Ah, dans ce cas-là, prends le bouquin pour les écritures. Ouais, c'est ce que je pensais. Et est-ce que t'as l'espace pour prendre l'appareil photo du coup? Non, parce que j'ai toujours mon truc des empreintes. D'ailleurs, bah, limite, que je vérifie. Laisse le truc des empreintes pour le moment. Et prends l'appareil photo parce que si jamais quand tu vas l'appeler justement pour savoir ce à quoi, enfin pour essayer de créer une réaction, justement, tu pourras peut-être le prendre en photo avant de. Et avant de partir en courant, en fait. Ah, c'est ça. Lumière. On active la vision nocturne. C'est... Attends, c'est bien Karen. Oh. Alors. Oui, c'est Karen. On va réactiver... Ah merde, c'est pas là le disjoncteur. Je crois qu'il est dans le garage. Il est dans le garage. Suis-moi. Viens. On s'abandonne pas. Oh non. On ne s'abandonne pas. Nous sommes ensemble face à l'adversité. Il ne nous aura pas. Il ne nous aura pas le fantôme. Non. Non. On n'a plus peur maintenant. On est des chasseurs expérimentés. Nous sommes des chasseurs aguerris. Aguerris. Et voilà. Et la lumière fuse. Pourquoi c'est allumé ce truc? Pourquoi c'est allumé ça? C'est normal? Attends, on va éteindre ici. Pas besoin d'allumer. On va éviter que le disjoncteur ressaute. À moins que c'était le fantôme. Maybe. Faut pas jouer à ce jeu dans une vraie maison hantée en fait. Ah non. Y a-t-il quelqu'un? C'est bon, j'ai déposé. T'as déposé? Ok. Donnez-nous un signe. Je peux peut-être déposer le livre. Attends. Voilà. Tac, F. Voilà, j'ai déposé. Ouais, tu peux poser le livre à côté. Okay. Je vais redescendre maintenant que j'ai posé la caméra et on se contacte par radio. Ah, tu veux que je... Ah oui. Je reste en haut, c'est ça? Bah, il faudrait que tu restes seul parce qu'a priori, il ne répond qu'aux personnes seules. Donc, alors attends, on a déjà détecté la pièce, c'est bon. Là, il faut que tu t'équipes de l'appareil photo. C'est fait. Alors, le fantôme, c'est Karen Garcia, c'est bien ça. Donc, il faut que je dise son nom, hein. C'est ça. J'ai peur. Karen Garcia. J'ai la caméra qui est vers toi. Karen Garcia. J'ai entendu un bruit. Demande-lui si elle est là. Karen Garcia, es-tu là? Regarde de temps en temps aussi le livre si elle écrit quelque chose. Elle l'a retourné. Elle l'a retourné? Elle l'a retourné. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Vérifie. Faudrait que j'aille le chercher. Ah, ça devient de plus en plus froid. Non! Y'a rien, je vois rien. Ah non, y'a un bruit. Y'a un bruit. Je descends.
J'ai vu une fumée comme pour l'ONI. Ouais, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche, je Non, non, descends. mais y a rien, t'as pas besoin de fuir forcément, il faut juste être caché dans une pièce. Mais là, elle te chasse pas, hein. L'activité est très faible. Tu peux retourner, c'est bon. C'est ça aussi qui est l'avantage d'avoir quelqu'un qui se trouve dans le camion, c'est qu'on peut voir l'activité, donc on peut dire si vraiment il y a besoin de courir, quoi. C'est un côté rassurant. Ouais, mais au pire, c'est pas grave, t'as ta lampe torche. Ouais, mais elle n'éclaire pas grand-chose, hein, la lampe torche, je t'avoue. Ah, mais le truc, c'est qu'en fait, si tu vas au disjoncteur, tu perds du temps vu que c'est de l'autre côté. Tu vas perdre du temps et c'est le temps que le fantôme peut s'énerver parce que t'es là. Faut la prendre en photo? Faut la prendre en photo? Je vois rien sur la caméra. On t'entend pas. Je descends, j'arrive. J'ai pas pu récupérer le livre. Dès que j'ai voulu récupérer le livre, en fait, elle est venue. Ouais, mais il va falloir qu'on sache en fait si à quoi on a affaire. J'ai rien vu à l'écran. Donc je pense que t'as dû entendre un bruit, mais il y avait rien. Ah bah c'est quand il y a eu le pic à 10, hein, je pense. Non, quand t'as réagi, c'était le pic, le premier pic que tu vois. Je sais pas Ouais. pourquoi j'utilise la radio, je suis con. Ouais, là on est à côté. Faut que j'aille récupérer le livre. Est-ce que t'as eu la photo? Bah non, j'ai pris une photo, mais il n'y a rien dessus. Bah ouais, il faudrait que t'arrives à le prendre en photo, c'est comme un des objectifs. Ouais, bah écoute, hein, si tu veux, tu prends l'appareil photo, tu vas tout seul. Parce qu'il faut que je sois toute seule. Bon, j'y retourne. Au pire, dès qu'elle commence à s'activer éventuellement, j'arrive à l'intérieur. Bah, dès que je crie, t'arrives? Bah, je vais essayer en tout cas. Je te dis, parce qu'ici, comme ça, je peux te dire s'il y a de l'activité. Mais c'est vrai, ça aide pas que la zone d'activité soit dans le grenier. Non, ça aide pas du tout. Alors là, la force est à 3, mais donc c'est pas très très. C'est pas énorme, mais tu risques d'entendre des bruits. Je vois une lumière, c'est toi qui arrives dans le grenier? Ok. Non, non, c'est pas dans le grenier, c'est. Je voyais d'en bas. L'activité est redescendue. Faut essayer de prendre le bouquin et éventuellement de l'interroger. Ouais, normalement tu vas le voir tout de suite, hein. Y a quelque chose? Attends, le problème c'est que quand je prends le bouquin, comme je l'ai pas en lecture tout de suite, ça me fait éteindre la torche. Donc c'est pour ça que je préfère sortir et regarder sur le livre s'il y a quelque chose. Mais pour le moment t'as pas d'activité, t'es safe. Il y a rien sur le bouquin. Non, bah va falloir y retourner et voir s'il y a des choses. Il va falloir l'interroger pour voir si ça se déclenche le spirit box. Et puis non non, il faut le prendre le bouquin. Faut le reposer. Pas le choix. À mon avis, Je pense que si elle écrit pas, elle écrira pas dessus. Je sais pas pourquoi. Non mais c'est pas instantané, hein. Regarde, on en a fait un avant. Ils avaient pas écrit dessus. Alors qu'on l'avait, tu l'avais interrogé, tout ça, c'était dans la maison, en pleine ville. Et pourtant, bah, on s'est rendu compte que si, il fallait l'écriture fantomatique, puisque ça faisait partie des conditions. Mais faut les activer aussi, les enclencher. Ok. Ok, je vois rien pour le moment, mais. Prends la photo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que activité 3 pour le moment.
Activité. Oui, activité 3. Elle a décroché le téléphone. Donc elle bouge les objets par contre. Ok, c'est pas gagné si on sort, on rentre. On va y aller à deux si tu veux. Bah, Hyper si... bah non, mais si tu cours, c'est normal que tu peux pas la prendre. Oui, bah. T'sais, en courant, ça va être difficile de prendre la photo en fait. Oui, c'est sûr. Bah ouais. Mais bon, vu que ça t'a tué la dernière fois, maintenant je me méfie, hein. Pas envie de mourir. Ah, ouais, mais bon, c'est la mission, hein. À la chasse, à la chasse. Elle chasse? Ouais, à la chasse. Elle a fermé la porte en bas. Prépare-toi pour une photo. Oh putain. Non, non, descends pas, descends pas, ah, descends je pas. Descends pas. Reste dans l'escalier. Reste dans l'escalier. Non, viens là où je suis. Oh, putain. Là. Ouais, mais je te vois pas. Là, elle arrive. Ah là, elle va me Ah, boum tuer. boum Ah boum boum. Prends la photo, prends la J'ai photo. pris la photo, j'ai pris la photo, mais j'ai pleuré. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Non, non, c'est moi qui suis mort. Elle va pas te chasser. Elle m'a tué. Par contre, je peux toujours pas. Ah si, ça y est, je peux ouvrir la porte. Je ne dis rien. Je suis mort. C'est quoi ce bruit? J'entends toujours la radio en fait. Je crois qu'elle a rallumé la radio. Elle a rallumé la radio. Je pense qu'elle est dans le grenier. Bon bah maintenant faut que tu te démerdes toute seule pour trouver qui c'est. Faut qu'on gagne notre blé en fait. On a toujours de l'argent à gagner. Ah, c'est ça. La base, outre les trucs optionnels de prendre les photos, ça c'était pas le plus urgent, c'est de savoir qui c'est pour ça que j'insistais lourdement pour que tu prennes le livre. Elle est où la madame? Pour que tu prennes le livre et qu'on insiste sur demander qui c'était, tout ça. Ah, je crois qu'il y a un Ouija board là, ici. Ou alors c'est un tableau. Je crois que quand je suis mort, je suis censé pouvoir la voir. Mais comme pour le premier, je vois personne. Même en fantôme, tu sais, j'ai peur. Non, elle va me retuer! Karen? J'ai pas l'impression qu'elle m'entende en tant que fantôme. Bon, moi, il n'y a plus qu'à attendre que Trazia réussisse à finir toute seule. Elle arrête pas d'éteindre la lumière. Ah, bah oui, elle est énervée maintenant. C'est-à-dire que pour aller faire les trucs dans le grenier, ça va être un petit peu tendu là quand même. Maintenant qu'elle est bien excitée, bien énervée. Forcément. Non, je ne lui parle pas, hein, je parle à vous. Elle ne m'entend pas. Bouh! Je suis dans tes fesses. Sérieusement, les photos que t'as prises, ça a tellement bugué en fait. T'as tellement été rapidement que ça ressemble à rien les photos. T'as réussi à prendre une photo interaction. Ou alors c'est l'appareil photo qui buguait en fait. C'est peut-être pas de ta faute. Donc démon, poser correctement une question à un démon sur une planche de Aouja ne réduira pas la santé mentale. Écriture fantomatique pour le démon. Le cauchemar, c'est orbe fantomatique. Orbe fantomatique, c'est sûr que non. Spectre, on avait dit après. Empreinte digitale, faudrait que tu vois s'il y a des empreintes digitales. Mais en fait, je peux pas le prendre, le truc d'empreinte digitale. T'es sûr? Ouais, j'ai essayé, mais je ne peux pas. Eh merde. Dommage. Mais elle non, ils disent, les spectres ne touchent presque jamais le sol. Elle touchait le sol. Ah, j'avais pas l'impression de l'avoir touché le sol, moi. Si, si, moi je l'ai vu très très nettement. Moi j'ai pas secoué la caméra. Elle m'a enfermé, elle m'a enfermé. Non, elle m'a enfermé, elle va me tuer. Je vais mourir. Allez, allez, sors. Sors. Je peux pas sortir, elle a fermé la porte. Bah, essaye encore. J'essaye, mais elle veut pas. Elle veut pas me laisser sortir. Non. Putain, la garce. Je lui fais bou, 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 chou, chou. Je te protège de mon corps. Putain. Chou. Oh, ah oui, elle arrive, je la vois. Ah, elle va me tuer. Je vais mourir. Cours dans une pièce, cours dans une pièce. Ah oui, trop tard. Ah, elle m'a tué. Je l'ai vu se déplacer vers toi, elle était en train de marcher. Tut, 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 tut. Vous avez échoué. Vous avez échoué et perdu tout votre équipement que vous avez apporté avec vous. Ah merde, ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, ah on oui, perd l'équipement. D'accord.
J'aurais dû partir. Et pas risquer de me faire tuer. On aurait au moins pas perdu l'équipement, putain. Bah maintenant on le sait. Ouais, on sait si on meurt, tout le monde meurt, on perd l'équipement. Aïe. Ouais, ouais. C'est quoi qu'on a perdu? Bah j'ai juste assez pour acheter en fait. C'était le thermomètre que j'ai perdu. Ouais, thermomètre. Et à mon avis, le bâton d'encens, tu l'as plus non plus. Non, non, j'ai plus non plus. Mais le bâton d'encens, le problème, c'est qu'il faut que j'ai un briquet de toute manière. Ouais, c'est ça. Et le crucifix, je peux pas l'acheter encore. Donc pour le moment, on va attendre. Bon, et bah du coup, on va se faire le Grafton Farmhouse. C'est parti. Donc là, il faut le thermo. Je reprends le thermo. Il faut le thermo, ouais. Nettoyer la zone du bâton d'encens, moi, c'est mort. Empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix, c'est mort. Bon, ce sera rapide au moins. Là, c'est ouais. Barbara Smith et c'est encore les personnes seules. On est mal. Dans le même type de maison qu'on a vu avant. Chouette. Chouette. Je crois que c'était dans cette maison que je suis mort la première fois. Oui, c'est ça. On est reparti. C'est reparti, mon kiki. Là, déjà, on n'a pas de truc qui s'enclenche dès le départ. Bon, y a-t-il une présence ici? Est-ce qu'il y a une femme qui veut me tuer? Me prendre dans ses bras? Me faire un câlin? Donnez-nous un signe! Donnez-nous un signe! Parle-moi! Parle-moi, n'aie pas peur! Je ne suis pas terrifié. Elle est dans la chaise! Je suis sûr qu'elle est dans la chaise. C'était comment son nom? Je sais plus. Ah merde. C'était Barbara quelque chose. C'était ouais Barbara quelque chose, mais je sais plus c'était quoi. Attends, je vais aller vérifier. J'arrive. Il y a-t-il une présence par ici? Oh, ça fait un bruit différent là. Y a-t-il une présence par ici? Pourquoi ça fait un bruit bizarre là? Ça fait un bruit comme si j'étais sous l'eau. Alors attends, on va essayer autre chose. Je vais sortir le thermo. Le thermomètre. Ouais, t'es où là? T'es là. Je suis là. Oula, attends, j'ai plus ma lumière. Voilà. J'avais pas rallumé. Oh, la porte est ouverte ici. La porte de la salle de bain était entrouverte. Oh, oh. L'eau coule et c'est de l'eau sale. Oh, c'est un fantôme. Elle est ici. Je pense qu'elle est là. Y a-t-il quelqu'un ici? J'ai entendu un bruit. Donnez-nous un signe. N'hésitez pas à nous parler, hein, surtout. On aurait l'impression d'avoir quelqu'un avec nous, d'avoir de l'activité. Est-ce que Netflix, ça vous manque? Est-ce que vous aimez vous baigner dans l'eau sale, puisque là, il y a de l'eau sale? J'ai entendu un bruit. Oui, moi aussi, j'ai entendu un bruit. Ah ah! Alors nous donne un signe. Bah, la température est basse, mais pas frigorifique. À moins que ce soit la pièce d'à côté. Ouais, elle est pas en dessous de 10. Ah, elle a réactivé l'eau. Elle a réactivé l'eau. Non, elle est ici. Elle est ici. Je vais peut-être laisser le livre alors. Attends. Je vais laisser le truc, le spirit box. Laisse le livre. Ok. Je vais aller chercher le truc pour les empreintes. Voir s'il y a quelque chose. On va la trouver. C'est Barbara. On va la trouver et puis on va lui faire cracher tout ce qu'elle sait. Ah non, j'avais dit que je prendrais la caméra. Attends. Je vais prendre la caméra. On va la placer. Je vais prendre la caméra et on va la placer. Ok. Doing. Ah, les lumières ont été éteintes. Ouais, lumière éteinte. Il nous faut du coup aller chercher le disjoncteur. Sinon on fait sans lumière. Hein. Oui, sinon on fait sans lumière. Ça se fait, hein. C'est gérable. Donc normalement, elle doit se trouver dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Si je mets ça là, boum. Ah, elle a fait tomber une canette. Ok. Barbara Smith, Barbara Smith, Barbara Smith. Elle active pas le MF, hein. Mais à mon avis, là, il va falloir commencer à la titiller, je pense. Il va falloir commencer à la titiller, la madame. À la faire déclencher des choses. Ah, elle a écrit des trucs sur le livre.
Ah, elle a écrit sur le livre? Ouais, je le vois. Je pense qu'il y a peut-être des empreintes. On va prendre le truc pour les empreintes. Alors, écriture fantomatique, on a dit... Oh, la porte, la porte. La porte a bougé. La porte a bougé? Ah, merde. Oui, la porte a bougé. On a dit température glaciale et écriture fantomatique, c'est ça? Non, 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 pas glaciale. C'est pas glaciale. Okay. Faut vraiment, glacial, faut vraiment que ce soit en dessous de zéro. Là, c'était pas en dessous de zéro. Donnez-nous un signe. Y a-t-il une présence? Elle a effectivement jeté un objet. Et elle a écrit beaucoup de choses. Écrit Can't run. Ah. Oh, elle m'a fait rire. Ok. Empreinte, j'ai vu. Empreinte, t'as vu? Ouais. Ok, empreinte. On descend. Attends, Barbara Smith, es-tu là? Elle veut pas qu'on reste ici. Hein. Y a-t-il une présence? J'entends des bruits. Donnez-nous un signe. Elle est en train de fermer la porte. Toi. Ouais, ouais. Je vois. Il y a une onde. Ah, elle veut pas que je reste. Allez, on y va. Barbara Smith. Barbara. J'ai des frissons. Ouais. Alors, on a écriture, t'as vu les empreintes? Je flippe ma race. Empreinte fantomatique, écriture fantomatique. Visiblement, je pense. Vote pour un revenant, moi. Je vote pour un revenant. Attends, je vais relire le revenant. Le revenant, il faut avoir le MF niveau 5. Mais il s'est pas déclenché une fois. C'est ça qui est bizarre. Faut que tu y retournes et que tu lui parles. Je pense que quand c'est pas toi qui parle, t'as peut-être pas forcément toi-même le relevé. Moi je l'ai toujours eu, mais je te dis même quand c'est pas moi qui parlais. Mais je te dis, c'est pas instantané le MF, tu peux l'avoir plus tard. Regarde la Spirit Box, je te l'ai déjà dit, je te l'ai prouvé sur le précédent. La Spirit Box s'est déclenchée genre à la fin, beaucoup plus tard que quand je l'avais laissé. Y a plus d'activité là. Razia? Ouais, je suis là, je suis dans la maison. Faut que tu répondes parce que quand ils chassent, en fait, des fois ça coupe la radio. Donc ça coupe la radio, ça veut dire que je sais pas si t'es pas chassé. Ok, redonne-moi son nom. Barbara Smith. Mais faut que t'ailles au niveau de la salle de bain, hein. Ça sert à rien d'être dans l'entrée. Regardez-moi cette flippette là, se met dans l'entrée. Faut que tu rentres à l'intérieur avec le MF. Bah merci. Non, à l'intérieur de la salle de bain. Trasia, elle veut pas se faire flipper, tu sais. J'aime bien, elle se moque de moi, mais en fait, elle rentre pas dans les trucs. Elle a fait parler la... Barbara Smith. Elle a fait parler la Spirit Box. En fait, à la Spirit Box, elle a fait... Ok. Si t'es sûr de toi. Oulala, je viens de voir un truc à la caméra. Ah ouais, t'as vu quoi? J'ai vu une ombre. Ah merde. Si t'es sûr de toi, bah écoute, on valide la Spirit Box. Il y a des bruits bizarres, je t'assure. T'es sûr qu'elle t'a pas possédé? Non. J'ai entendu couiner en fait, j'ai entendu. C'était dans la Spirit Box? Oui, bah c'était dans la salle de bain, donc et la Spirit Box s'est arrêtée et j'ai entendu... Enfin, oui, mais ça n'a pas de rapport. C'est un bruit spécifique, hein, ça fait comme des paroles. Et là, ça faisait comme si quelqu'un pleurait. Ah, elle a fait bouger la Spirit Box. Légèrement, j'avais l'œil sur la caméra. Bon, bah écoute, si t'es sûr, on part avec ça. Je pense que... Mais la dernière fois, t'étais sûr d'un truc et t'étais planté. Non, c'était un revenant. Ah bah, ni l'un ni l'autre. Revenant, c'est aucun de ceux qu'on avait. Bah donc, c'est un truc qui n'a pas été... Bah si, pourtant, elle a écrit. Elle a écrit, ça c'est sûr. Elle a écrit. L'empreinte, je l'ai vue aussi, sûr. Donc t'as bien pas entendu dans la Spirit Box. Bah, j'ai cru entendre.
Ouais, mais non, c'est des mots spécifiques qu'ils disent. En fait, c'est très précis. Ils disent des trucs genre adulte, death, des trucs comme ça. Ils font pas des bruits bizarres en fait dans la spirit box. Par contre, je sais pas pourquoi, mais maintenant c'est toi le chef. Donc c'est à toi de sélectionner le travail. Ah bon? Oui. Je sais pas pourquoi. Ah ok, d'accord. Je mets quoi, il y a Blissdale Farmhouse, Ridgeview ou Edgefield Street House. Elle est ok de peur. Comme tu veux. Edgefield Street House. Taille d'équipe recommandée 2. Maison à 2 étages. Chambre avec un sous-sol chouette. C'est parce que Le c'est plus propos. facile. Bah, je pense pas, non? C'est la maison de ville. Donc la maison de ville, c'est pas hyper creepy par rapport à ce qu'on a là. Là, on a déjà. Avant même d'entrer, même si on savait pas que c'était une maison hantée, même s'il y avait quelqu'un dedans de vivant, on serait déjà en train de flipper parce que les trucs sont creepy de base. Ah, là, il faut qu'on prenne une photo de l'eau sale dans un évier. Toujours le thermomètre et prendre une photo du fantôme. Donc cette fois, on va recommencer et cette fois, Trazia va prendre la photo du fantôme, quitte à en mourir. Attends, est-ce que je prends tout de suite l'appareil? Non, on va la déclencher qu'à la fin. J'ai déjà pris le thermomètre pour voir où il se situe. Ensuite, on va essayer de voir la spirit box. On va laisser la spirit box. On viendra chercher le bouquin et puis tout ce qu'il faut pour savoir à quoi on a fait. L'objectif principal, après, c'est. Ils mettent objectif optionnel. Le principal objectif, évidemment, c'est de survivre avec tout notre équipement, je pense. Mais pour moi, l'objectif principal et le plus important, c'est de savoir à quel fantôme, type de fantôme qu'on a affaire. Ce qu'il faut se dire, on est dans la peau d'investigateurs et on doit faire en sorte de trouver des preuves pour que les mecs qui viennent nettoyer après soient tranquilles. Yep. Bonjour, excusez-nous d'envahir votre maison. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous sentez bien dans la prairie. Y a-t-il quelqu'un par ici? Y a-t-il quelqu'un dans cet environnement obscur? T'as tourné où là? Ah oui, là. Je suis ici, je suis ici. Où il y a certainement eu un crime passionnel. Un homme qui a tué sa femme et ses enfants avant de rejoindre sa maîtresse. Je pense que, alors le thermomètre c'est le principal détecteur parce que effectivement c'est instantané en fait. Il y a pas de titillage ou d'attente pour les à avoir en fait avec les gars. Ouais. Ah, je peux pas ouvrir? Si. C'est instantané, c'est-à-dire que tu vois immédiatement si la température baisse. C'est pas genre faut lui demander de donner un signe et tout ça quoi. Bonjour, commence. Oh. Oh, c'était quoi ce bruit? T'as entendu quelque chose? Oui, j'ai entendu un bruit. Pas genre, donnez-nous un signe ou autre. Ah, il y a un bruit. Ah oui, il y a un grincement. Ouais, il y a un grincement. Il est au-dessus. Il est au-dessus. On va le trouver. Et y a-t-il une présence obscure et terrifiante dans le coin? Oh, le lit est bien fait. Il a fait le lit, c'est la femme de ménage. On n'a même pas vu qui c'était. On n'a même pas vu le Non. nom. Y Il est a-t-il parti quelqu'un ici? direct. Donnez-nous un signe. Non. Faire grincer les trucs, ça ne marche pas comme un signe. Oh, où température a baissé? Ah oui, ici. Il y a un point, il y a un spot. Attends, c'est où? Il y a un spot où ça passe à moins 2. Ah, ici. Il y a un truc ici. Ok, je pense qu'il est dans le coin. Il est là. Ok, je vais déclencher le spirit. Hop! Donnez-nous un signe. Y a-t-il une présence ici? Est-ce qu'il est dans les toilettes? On est à moins 10 ici, c'est sûr. C'est dans le coin. À moins que ça bug et que ça traverse les murs. Non, je pense pas. Ah, 5! Aha! 5, 5, 5, 5. 5 et température glaciale. On sort ou tu veux rester? Il nous faut encore découvrir de quoi il s'agit. Si c'est un. Ouais. S'il y a des orbes, s'il y a des. De trucs. Yep. Attends, juste un truc. Est-ce que c'est là? Toi, t'es où? Ah oui, t'es C'est là. ici, c'est dans cette pièce, en fait. Attends, je vais chercher le spirit box. Top. Je pose sur ton lit, mec. Ça doit être un jeune, regarde. Il est Ouais. mort en se rimant.
Ou alors il a vu un porno trop puissant. Pas d'empreinte, a priori. Un message s'est dit, il faut qu'il se déclenche. Ouais, il faut qu'il se déclenche. Y a-t-il une présence ici? Donnez-nous un signe. J'ai entendu le bruit. Ombre. J'ai entendu. Moi j'ai entendu. Ouais. Comme ça. Tiens. Ah, il a éteint la lumière. Bah, on a demandé de donner un signe. Il a donné un signe. Faudrait voir si on a une orbe fantomatique et si on a les écritures. Donc, je vais prendre la caméra. Arrête de faire des bruits comme ça. T'es plus stressant qu'en fait que le fantôme pour moi, hein, à faire des. Alors, on va laisser la caméra. Bonjour. J'ai laissé le livre. Enfin, le cahier. Ok. Est-ce qu'il y a de l'eau sale? Merde, je voulais pas faire ça. Excuse-moi, je voulais pas prendre une photo, mec. Merde, je me plante à chaque fois de bouton. C'est pas ce que je veux faire. Là, c'est pas de l'eau sale. Est-ce que tu pourrais déclencher de l'eau sale? L'eau sale, généralement, ça se déclenche pas loin de là où il est. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de... Le plus proche robinet, en fait, il est pas là, donc... C'est un peu embêtant. Voyons voir, ouais, est-ce qu'il bien. Y a des orbes? Ah oui, orbe fantomatique. Ah, bon bah, écoute, on a le dernier truc. Ouais, j'ai vu une orbe, j'ai vu une boule. On va vérifier en regardant, mais... A priori, c'est donc un fantôme. A priori, c'est un fantôme, mais on va continuer de regarder. J'ai cru voir une orbe fantomatique. Oui, regarde. Là, pioup. Donc prenez une photo du fantôme. Bon, on est reparti tous les deux. Est-ce que t'es prête? C'est parti. Kenneth Moore. Au pire, on meurt. Et on perd notre matos. Non, mais de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui va mourir, puisqu'il attaque toujours qu'une seule personne à la fois. Donc, ouais. L'un ou l'autre, et puis après, c'est bon quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on chope son fantôme. Yep. Bon bah go alors. Kenneth Moore. Viens sur mon corps. J'ai pas regardé ce qu'il faisait le fantôme. Tu veux que je regarde? Regarde éventuellement. Viens sur mon corps, Kenneth Moore. Ah, il peut posséder les vivants. Il induit la peur chez ceux qui l'entourent. Regarder un fantôme diminuera considérablement votre santé mentale. Prendre une photo du fantôme le fera temporairement disparaître. Ah ah ! Kenneth Moore ? Viens. Viens, Kenneth Moore. Kenneth Moore ? 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 Est-ce que ça se déclenche plus quand on est dans la chambre ? Alors, comme t'as raté les précédents, tu vas y aller en premier. Et je te suis de près. Allez. Allez. Go go. Ah, ça y est, il a fermé la porte en bas. Il a fermé en bas. Non, je déconne. Ah, tu m'as fait peur. En tout cas, il y a bien le MF qui s'est déclenché à niveau 5. Viens ici. Ah, c'était le rideau. Kenneth Moore, fais-moi l'amour. Viens sur mon corps étalé. Ah, il a fermé la porte. C'est lui non, qui a poussé. Non, il a pas fermé. Kenneth Moore. Viens. Kenneth Moore. Viens. Il veut pas se montrer, hein. Si. Kenneth Moore. Kenneth viens Moore. Ici. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Énerve-toi, Kenneth. Ah, il a allumé la lumière. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Kenneth Moore. Ça y est, c'est parti. Ah, je l'ai vu. C'est parti. Je l'ai vu. Ah, il a fermé la porte. Ouais. Là. Oh, non, c'est moi qui l'ai tué. Adieu. Merde. Putain, je le vois. Ah, merde. J'ai essayé de... Bon, bah, désolé. J'ai essayé, en fait, je l'ai vu apparaître, j'ai essayé de prendre la photo, mais je crois que ça a pas marché.
J'ai essayé de taper au bon moment. Si c'est... Attends. Si c'est bon, je l'ai eu. Ça l'a validé. Yes, on est bon. Tant pis pour le sale. Faut prendre pas de risque. Surtout que j'ai... Il y a plus de pellicule, c'est fini. Après pellicule. Après, je fais mon malin et tout, mais honnêtement, ça me fait vachement flipper. Parce que là, j'étais... Même quand je faisais Kenneth Moore, je fais genre... J'ai l'air d'être bien, mais en vrai, j'ai les frissons qui me remontent le long de la colonne. Ça me chatouille le gosier. C'est ça. Le fantôme était un fantôme. Et on a réussi. Oh là là, on est trop bon. Qu'est-ce qu'on est bon. Photo preuve ADN, comment tu trouves ça? Je peux acheter un capteur sonore avec tout l'argent que j'ai. Ouh. Capteur de lumière infrarouge. Ouh. Je vais quand même racheter une lampe de poche, hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais... Je peux acheter une caméra montée sur la tête. Ah non, niveau 8 requis, tu rigoles. C'est de la merde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que ces petites vidéos pour Halloween vous auront plu. En vous disant à la prochaine, on continuera, on refera du phasma, du phasmophobia une fois de temps en temps sur la chaîne. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais là pour l'instant on a fait le truc Halloween, donc on va reprendre le rythme normal des vidéos et tout ça. On refera d'autres vidéos une autre fois, y a pas de soucis, ça reviendra. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao.